Des patrouilles de police à Milan, en Italie, pour ce premier week-end après la levée du confinement. Le maire de la capitale lombarde a exprimé sa colère après la diffusion d'images de rue montrant le non-respect des règles de distanciation sociale qui font craindre une seconde vague de contamination. À Milan ou ici à Bari, sur la côte adriatique, les habitants retrouvent le goût de la liberté. Pour beaucoup d'Italiens, le confinement ne pouvait plus durer. « Je n'en peux plus de rester chez moi », dit cette femme. « Je suis retraitée et seule. Je déprime. » Si les promenades sont désormais autorisées, les regroupements entre amis demeurent interdits. C'est le cas aussi sur cette plage du Portugal où ce policier chasse deux contrevenants. « Vous ne pouvez pas rester ici », dit-il. « La plage est uniquement accessible pour l'exercice physique. » Moins touché que ses voisins européens par la pandémie de coronavirus, le Portugal a assoupli les mesures de restriction mais demande aux habitants de rester très vigilants. Le pays voulant à tout prix éviter une vague de contagion qui pourrait rapidement submerger son fragile système de santé.